Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la SRPC. Ladies and gentlemen, welcome to the SRPC channel. As you can see and as you can hear, this message is going to be bilingual and we're back to the original setup. And just a few moments, I'm going to yield the floor to the Right Honorable Angel Prince, Governor General of the URA Canada. But before I do that, I'm going to do the same announcement in French and stay tuned. It really is going to be a bilingual announcement today. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne de la SRPC. Ce message sera bilingue, en français d'abord, en anglais ensuite. Comme vous pouvez aussi le constater, nous sommes de retour avec les fonctions originales du canal. Après plusieurs mois d'incapacité technique, le problème semble être réglé. Donc, on croise les doigts et tout le reste. Et je vous présente à l'instant Mme Angèle Prince, gouverneure générale des URA pour le Canada, que je vais mettre en plein écran de ce pas, si Google Meet me permet. Donc, qu'est-ce qui me manque? Pour l'instant, je vous prierai de bien vouloir découper votre micro. Je vais essayer de mettre ça en plein écran sur vous. Et voilà, c'est fait. C'est à vous, madame. Merci. Message au peuple du Canada. Lorsque j'ai réalisé que la Constitution du Canada était un document très important et qu'il fallait s'en servir pour se protéger et se défendre, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi puissant. Le gouvernement actuel, de facto, n'est pas très à l'aise face à toute cette vérité qui éclate, ce secret bien gardé qui leur donne de faux pouvoirs. À vrai dire, ils n'aiment pas du tout qu'on en parle. Cela fait plusieurs années que je pose des questions et que je n'ai jamais de réponse. Mais maintenant que je connais toute l'histoire entourant le coup d'État, je suis menacée de saisie et il reste à peine 10 jours avant qu'ils fassent exécuter leur faux jugement qui est inconstitutionnel dès la première ligne. Ils osent saisir le bureau du gouverneur général ainsi que le siège du gouvernement du Canada, de URA, qui vient tout récemment d'être relocalisé temporairement à Kedgwick, au Nouveau-Brunswick, pour des raisons administratives. Ils veulent continuer de vous contrôler et vous empêcher de choisir la forme de gouvernement qui est une monarchie constitutionnelle. Tout ce cirque infernal doit cesser immédiatement, cela a assez duré. Vous avez aujourd'hui la raison ultime de vous manifester. Je vous rappelle que vous avez l'obligation de vous occuper de votre pays. La Constitution protège le peuple, pas le gouvernement actuel. Et cela n'a jamais été respecté. Si vous ne faites rien, il n'y aura rien. Aucun changement et le contrôle du peuple par un gouvernement illégal. La Constitution est le manuel d'instruction pour former un gouvernement légal, légitime et constitutionnel. Je vous conseille d'en prendre connaissance et vous constaterez par vous-même. Dès maintenant, les postes à combler sont ceux de lieutenant-gouverneur pour chaque province avec son assemblée législative, des sénateurs, des membres de la Chambre des communes, des commissaires et un poste d'assistant au gouverneur général. Vous n'avez qu'à lire la Constitution pour vous y retrouver et confirmer votre choix à la SRPC. Si chacun fait son travail, tout devrait bien aller. J'aimerais profiter de cette occasion pour féliciter le lieutenant-gouverneur de URA de Québec, les conseillers législatifs ainsi que les membres de l'Assemblée législative qui sera bientôt formée. Toutes ces personnes ont eu le courage et la volonté de respecter la Constitution et de la faire appliquer. La formation officielle de cette législature au Québec est un événement historique et une première dans l'histoire du Canada. Curieusement, à la même date que le couronnement du roi Charles III, le 6 mai prochain. J'ai d'ailleurs écrit au roi Charles III pour lui demander s'il était le roi du Canada. Je n'ai eu aucune réponse de sa part. C'est probablement pour cette raison que je n'ai pas été invité à son couronnement. Courage, vérité, justice. Message to the people of Canada. When I realized that the Constitution of Canada was a very important document and that it was necessary to use to protect ourselves and to defend ourselves, I did not expect it to be so powerful. The current government, de facto, is not too comfortable dealing with all this truth that burst forth, this well-kept secret that gives them false powers. To be honest, they don't like it at all. I have been asking questions for several years and never have an answer. But now that I know all the stories surrounding the coup d'etat, I am threatened with seizure and have barely 10 days left before they have
their fake executed judgment, which is unconstitutional from the first line. They dare to seize the office of the Governor General as well as the seat of the Governor de Jure, who just recently relocated temporarily to Kedgewick, New Brunswick, for administrative reasons. They want to keep controlling you and prevent you from choosing the form of government, which is a constitutional monarchy. This infernal circus must stop immediately. It has gone on long enough. Today we have the ultimate reason to protesting. I remind you that you have the obligation to take care of your country. The Constitution protects the people, not the current government. And that document has never been respected. If you do nothing, there will be nothing. No change and control of the people by an illegal government. The Constitution is the instruction manual for forming a legal, legitimate, and constitutional government. I advise you to read it and see for yourself. Now, the positions to be filled are those of each province, with its legislative assembly, senators, members of the House of Commons, commissioners, and a position of assistant to the Governor General. You only have to read the Constitution to find yourself there and confirm your choice to the RPSC. If everyone does their job, everything should be fine. I would like to take this opportunity to congratulate the de jure Lieutenant Governor of Quebec, the Legislative Councillor, and the members of the soon-to-be-formed Legislative Assembly. All these people have the courage and the will to respect, had the courage and the will to respect the Constitution and enforce it. The official formation of the Legislature of Quebec is an historic event and is the first in the history of Canada. Curiously, on the same date as the coronation of King Charles III on May 6, I wrote to Charles III to ask him if he was the King of Canada. I never received a response from him. This is probably why I was not invited to his coronation. Truth, courage, and justice. Thank you. Have a good day. Merci beaucoup, Madame. Thank you very much to the Right Honorable Governor General of Canada. I will also take a brief moment to join my voice to hers to congratulate the people in Quebec for their courage and for the historical formation for the first time in the history of a de jure government. I will repeat that in French and we'll put an end to this recording for today. So thank you very much for watching. And please participate. Your country actually needs you. And you can also do that for yourself, because otherwise, if you do nothing, you'll get nothing. Donc, j'aimerais joindre ma voix à celle de Madame l'Honorable, la très honorable Gouverneure Générale du Canada, de jure, pour également féliciter la formation du gouvernement de jure pour la province de Québec, pour la première fois dans l'histoire humaine. C'est un événement hautement historique et je tiens aussi à remercier les gens qui participent à cet événement-là et inviter les autres à se joindre au gouvernement effectivement de jure et constitutionnel et légitime et légal pour la première fois de l'histoire. Donc, comme je le disais il y a un moment, merci beaucoup et je vous dis au revoir.